Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo sur la continuité des raccourcis de A à Z. Donc la première vidéo qui a été faite. Merci à vous de me suivre sur la chaîne où on est de plus en plus nombreux. On est pratiquement à 330 abonnés. Je remercie donc tous les abonnés qui me suivent. On va donc voir les raccourcis de N à Z. Et après cette série de deux vidéos... On aura une autre série de vidéos sur les raccourcis clavier VoiceOver. Donc il y aura quand même bien plus de vidéos que les deux précédentes, car avec Voiceover, on a énormément de travail en termes de raccourcis clavier. Pour rectifier un petit peu le tir dans la première catégorie de A à M, un petit raccourci très sympa lorsqu'on branche un périphérique externe, disque dur, externe, clé carte SD, c'est le raccourci commande E alors beaucoup de raccourcis, je les ai fait par ordre alphabétique pour s'en rappeler puisque en fait E pour éjection donc si jamais je vais sur no name, no name, donc qui est la clé USB que je viens de brancher, si je fais commande E éjecter no name ça veut Autonomie, dire que pour, étape, si je retape N, vidéo. ma clé USB a bien été éjectée. On va passer maintenant à la lettre N. C'est parti. Le premier raccourci avec la touche N pour ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder. Nouvelle fenêtre N, commande N. Maintenant dans tous mes fichiers, fenêtre, navigateur d'images, pour créer un nouveau dossier dans mes documents, par exemple, dans Documents, sur le Finder. On va faire le raccourci Commande Mage N. Dossier son titre. Dossier sans titre. On lui donne un titre style... Vous êtes actuellement sur... Nouveau... Dossier. Essai », Je fais entrer. Bureau, nouveau dossier, Essai dossier. Voilà, le dossier est créé. Ouvrir la sélection. Pour ouvrir une sélection, on va faire le raccourci Commande flèche bas. Ce qui va ouvrir... N'importe quel fichier sélectionné ou dossier sélectionné. Commande Flèche Bas. Fermez la fenêtre. Et je vais le mettre à la poubelle avec Commande Retour Backspace Retour. Placé dans la corbeille. Avec la touche O, on va pouvoir avoir accès à nos documents avec le raccourci Commande Mage O. Maintenant, Document, Fenêtre, Présentation par liste, Tableau. Donc, on a accès ici à tous nos documents sans problème. Je voudrais ouvrir une application qui se trouve sur mon Finder, dans mes documents. Commande O. Ouvrir. Pour ouvrir, on va pouvoir agrandir une fenêtre, et cela sur toutes les fenêtres, que ça soit Safari. Activer le mode favorite fenêtre. Voilà. Bureau autonomique. Documents. Documents, fenêtre. Voilà. Maintenant dans bureau, autonomique, copie, dossier. Avec le raccourci Commande Contrôle F, ce raccourci agrandit l'intégralité des fenêtres et prend l'intégralité de l'écran. Une fois qu'on est dans Mes Documents, on peut ouvrir un nouvel onglet avec le raccourci Commande Contrôle O. Ouvrir dans un nouvel onglet. Ouvrir dans un nouvel onglet. Présentation par liste, tableau. Ça veut dire que j'ai ouvert quatre fenêtres. Si je ferme au fur et à mesure. Une. Présentation, Deux, par, liste. Présentation, trois, par, li Présentation quatre par liste. Et la dernière, la fenêtre mère. Ça veut dire qu'on a créé quatre onglets de la fenêtre mère et on peut travailler pour éviter de faire des bêtises. Donc, pour créer des onglets à partir d'une fenêtre mère, commande, contrôle, O, la lettre P. Donc, pour imprimer un document, on va faire la commande P. Imprimer, interagir avec Dialogue. Pour fenêtre, sans titre 6. Photosmart 5523. Donc Imprimant. on va Vous pouvoir imprimer avec commande P. Pour avoir les propriétés d'un document, le raccourci va être commande option P. Masquer les propriétés. Maintenant donc, propriété du document, fenêtre, auteur, modifier le texte. Saisissez maintenant dans. Voilà donc pour la touche P, plus de raccourci. Lorsqu'on bloque sur une application comme actuellement, on va pouvoir la forcer à quitter. Avec le raccourci commande, option, échappement. Authentification, forcer des applications à quitter, dialogue On va donc forcer l'application à quitter. Player iMovie ne répond pas. On valide Authentification dessus. demande de l'attention. Voulez-vous forcer iMovie à quitter Je veux dire. Non ok. Et je viens de forcer l'application à quitter. Un seul raccourci pour la lettre Q pour quitter la session comment Maj Q Authentification Dialogue Système Voulez-vous vraiment quitter toutes les applications et fermer la session maintenant? Si vous ne faites rien, vous serez déconnecté automatiquement dans 53 secondes. Ou ouvrir toutes les fenêtres à la réouverture de la session, cocher, case à cocher, annuler, bouton. Fermer la session par défaut bouton. Annuler bouton. Finder La lettre T. Donc par exemple, si je veux mettre une application dans mon doc, je vais ouvrir Deux. mon dossier application. Aide mémoire aperçu. Aide mémoire. Et par exemple, si aide-mémoire, je veux l'inclure dans mon doc, je vais faire commande contrôle, Maj T. Ajouter au doc. Et je viens d'ajouter l'application la au doc. On F va vérifier. Finger, App Store, système Aide -mémoire 20 sur 20. Et l'application est bien dans le doc. Pour supprimer une application dans le dock soit on la fait glisser avec la souris à l'extérieur du dock et avec voiceover on va faire contrôle option mémoire, 20 sur 23 contrôle option maj m menu trois éléments op, option sous-menu option sous-menu flèche droite supprimer du doc. supprimer du dock c'est terminé elle n'existe plus du doc. pour ouvrir un nouvel onglet du finder Maintenant, mes fichiers, fenêtre, navigateur d'images, gris 0 éléments sélectionnés. Et voilà, commande T, la lettre U. Donc, commande, mage, U, nous ouvre le dossier utilitaire. Maintenant, utilitaire, fenêtres, présentation. Et je pourrais aller dans terminal, moniteur d'activité, information système, graphé, application, éditeur de script, assistant, heures. bootcamp, application, et si je veux circuler dans une zone de liste rapidement, option flèche haut pour se mettre en début de liste et option flèche bas pour se mettre en fin de liste. On peut Maintenant, utiliser aussi text edit, text edit, la touche Commande U souligné, pour activer dans tout type de traitement de texte, Text Edit, Word ou autre, la solution. Souligné, non coché. Souligner souligné non coché ou non souligné sans problème emplacement des fenêtres menu vo u nous donne que sdfjmsq dfj modifier l'emplacement des fenêtres modifier le texte insertion à texte souligné introuvable et actuellement commande option contrôle texte recherche le texte qui pourrait être souligné colorant n'aurait souligné dans le traitement de texte. Voilà avec la lettre U, la touche V, on va pouvoir faire un coller commande V. Coller l'élément. Voilà donc on va pouvoir coller. Dans, copier fenêtre, arrêter la progression bouton. Comme sous Windows. Vous êtes actuellement sur bouton. Ou nouveau dossier avec intelligent. Commande option V, c'est comme sous Windows, comme si on aurait coupé le fichier ou le dossier en question pour aller le coller quelque part en l'ayant supprimé de l'endroit, donc en l'ayant arraché de l'endroit prévu. Déplacer l'élément ici. Voilà, donc on le déplace, on l'enlève de l'endroit et on le met là où on désire, on le coupe. Alors, pour WX, on n'a rien. Pour Y, on va pouvoir faire un aperçu avec commande Y. Maintenant dans coup d'œil fenêtre aperçu image. Vous êtes actuellement sur une image. On va refermer l'aperçu. Fermer le coup Avec commande Y. L'aperçu. On peut aussi le faire avec la barre d'espace. Maintenant dans, coup fenêtre, aperçu, et, donc coup d'œil fenêtre aperçu image. Vous êtes actuellement. Maintenant... Et on referme avec la barre d'espace. On peut avoir aussi avec le raccourci commande Option Y. Maintenant, dans Fenêtre, Aperçu, Image. Un aperçu. Finder à une nouvelle fenêtre. Par image du dossier, si je fais un VO, flèche droite. Autonomique. Copie 1,85 Go. 29 éléments. Dernière modification le 11 juin 2016. 10h47 secondes. Et avoir. Vous êtes actuellement sur éléments. Et avoir, en fait, le contenu du dossier dans une fenêtre normale. Et je referme avec Commande. Mage Y. La touche Z. Donc, on va pouvoir faire Commande Z. Annuler. Pour annuler une action que l'on aurait faite. Alors, dans le traitement de texte, on aurait supprimé quelque chose. Si on a, par exemple, supprimé ce dossier étape Laissez 2. Je veux le récupérer. Étape 2. Mauve, vide. Commande Z, je remets l'action, je le ressors de la corbeille pour le remettre sur mon bureau. Le raccourci Commande Z sert Et non, dossier. à annuler la dernière action exécutée. Voilà pour les raccourcis de A à Z. Petite astuce. Donc maintenant, lorsqu'on a ouvert plusieurs applications, on a un raccourci sous Windows qui est Alt Tab pour les faire remonter, les fermer. Ici, on va faire Commande Tab. Texte edit Commande Tab. Je garde mon Commande enfoncé. Et à ce moment-là, je peux circuler dans les différentes fenêtres ouvertes. Aperçu, QuickTime Player, Finder. Donc, je tapote sur la touche Tab. Text edit. Aperçu, QuickTime Finder. Et lorsque je suis sur une application qui a été ouverte mais qui n'est pas refermée, je me positionne dessus, par exemple. TextEdit. Tout en gardant la touche Commande enfoncée, j'appuie sur la touche Q. TextEdit demande de l'attention. Texte, espace Et là, il me demande de fermer. Donc là, je vais lui dire que je ne veux pas enregistrer. Tag, tab, en place, bureau. Format, document, supprimer, annuler, supprimer. Boot, Donc j'ai fait VO flèche jusqu'à supprimer. Alors je recommence avec commande tab. Aperçu. Aperçu. Je veux le fermer. Je garde mon commande enfoncé et je tapote sur Q. Il vient de fermer. Je continue à tabuler. Finder. QuickTimePlayer. Finder. QuickTime Player. Je suis sur QuickTime Player, je tape sur Q, Finder. et là il vient tout fermer. Je ne suis plus que sur la fenêtre de Finder. Finder. Voilà donc une petite astuce Commande Tab, se positionner sur l'application. Une fois qu'on est dessus, on garde Commande enfoncée et on tape sur Q. On va donc pouvoir chercher tout et n'importe quoi sur notre Mac grâce à Spotlight, la commande Commande Espace, Spotlight, Spotlight, dialogue. dans les mails, dans. Notre PC simplement en lui demandant, en écrivant une recherche quelconque, un dossier, un fichier, une musique ou autre, grâce à Spotlight. Et pour le refermer, donc on refait commande espace. Finder, bureau, nn, dossier. On a ensuite les touches de fonction F1 à F12. Alors qu'est-ce qu'on a Si on appuie sur F1, on va être sur la luminosité. Luminosité de l'affichage 25 25 F2. Édité 15. 25 31 38 On augmente la Vous luminosité. Vous êtes actuellement sur vidéo. Si on appuie sur F3. Mission contrôle. On a donc deux éléments. Notre ajouter le bureau. Mission le bureau. contrôle. Les petits bureaux qui s'affichent en haut pour, pour circuler à la Windows 10. Se créer des bureaux personnalisés. On appuie sur ajouter F3 le pour l'enlever. Interagir avec zéro, éléments... F4, F4, ça va nous faire entrer dans les différentes applications qui sont installées sur notre Mac et pour circuler dans les, dans les différentes fenêtres. Page modifiée. On va Twitter. faire Commande flèche page droite page ou page flèche modifiée. gauche. Twitter. Safari, Twitter. Safari, voilà. On l'enlève de nouveau Bureau. avec F4. Nouveau dossier intelligent, recherche enregistrée. Oui. Vous êtes actuellement sur. On va voir les touches F7. F8, F9 qui vont nous servir à ouvrir iTunes, e lancer la musique, avancer et reculer dans les plages. Et enfin, avec F12, possibilité d'augmenter ou diminuer le son. Enregistrer. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. À découvrir des raccourcis que vous ne connaissiez pas cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner pour recevoir par lien direct les prochaines vidéos qui vont sortir la prochaine vidéo sur un ocr sur iphone prismo sur iphone j'ai fait une vidéo précédente sur mac je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt salut